Bonjour, ça va? Ah, vivement demain matin, 9 h. Bon, on verra. Allez, aujourd'hui, on va parler de petites choses un peu différentes. Voilà, c'est des pop-up, mais des pop-up qui sortent un peu de l'ordinaire. Voilà, allez, on approche. Voilà. Alors, ce sont des pop-up des disques, en fin de compte. J'en ai quelques-uns, mais là, j'en ai sorti 3-4. Et j'ai une petite chose, là, qui est très sympathique. C'est Henri Dess qui a sorti ça. Donc c'est les éditions des Bracs, dessinées par Gérard Lo Monaco, Henri Dess, le train fantôme. Alors c'est un petit livre dans lequel il y a un CD. Alors pour l'avoir écouté, je vous promets, les chansons sont super sympas. Le train fantôme, et en fin de compte, Henri Dess, le train fantôme. Entrons dans le château hanté pour un sou. On peut faire un tour ensorcelé. Il y a des spectres morts de rire, des fantômes hilarants. Filons en douce, le cœur battant. Le wagon fonce à tombeau ouvert dans un brouhaha d'enfer. Une joyeuse assemblée d'étranges personnages nous salue au passage. On aime bien le train fantôme, tout le monde est déguisé. Dans ce joyeux tohu-bohu, on reviendra, bien entendu. Voilà, donc c'est. Et alors, à la fin, vous avez les paroles de toutes les chansons. C'est très sympa. Je vous promets, si vous avez l'occasion de le trouver pour les enfants, c'est très très agréable. Voilà. Donc c'est sorti, je crois, en 2017. Il y a 12 chansons et un petit pop-up dans un petit coffret. Voilà. Henri Dest, le train fantôme. Ça, c'est un disque qui s'appelle Voici Noël. Voilà. Hop. Regardez, alors il faut le mettre du bon côté. Voilà. Regardez. Donc ça, c'est un disque avec des chants de Noël qui a dû sortir dans les années 87. Voilà, avec Claude Fontfred, Dominique Becker et l'Octave. Alors ça, c'est un vinyle. Deuxième vinyle, Kiki. Voilà, 1978. Voilà, un petit pop-up sur Kiki. Ah, j'étais un peu vite. J'ai ma caméraman qui me dit, prends ton temps. Voilà, moi j'aime bien. C'est sympa. Donc, Kiki. Alors, là, ça s'appelle Berceuse du monde entier. Colette Mani, Naomi Moody, Talila, Marina Vladi et Brenda Wooten. J'aime bien celui-là. Regardez. C'est sympa ça. Donc voilà. Et c'est un tableau en relief de Henri Galeron. Et ça, alors attendez, je vais vous dire. Voilà, vous voyez, c'est des petits vinyles. Tout court. Et c'est sorti. Ben, et c'est sorti en 1983. Et on termine avec notre vedette nationale, Mimi Mathieu, Mireille Mathieu, le merveilleux petit monde de Mireille Mathieu qui sort de Noël. Et voilà. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 chansons de Noël. Et alors, hop, ça doit être sorti ça aussi dans les années 80. Voilà, c'est Barclay. Et ben, je ne trouve pas, je ne suis pas doué.
Je suis désolé. Mais années 80, je pense, avant même. Voilà. Donc, hop. Et voilà, c'est une petite partie des choses que l'on peut trouver. Voilà. Et ce son aussi, ça fait un peu partie justement d'une collection de pop-up et de livres à système, parce que ce sont des petites choses aussi élaborées avec des systèmes que l'on ouvre. Voilà. Donc, on se retrouve demain, même s'il y a le déconfinement, ça m'empêchera pas de continuer encore un petit peu, hein, si ça vous plaît. Voilà. Donc, prenez bien soin de vous. Faites très, très attention au déconfinement. Je vous aime. À plus. Bye bye.